Qu'est-ce que les études à Paris 3 vous ont apporté et qui vous a servi dans votre carrière bah Là, j'ai un peu répondu à la question, mais euh, pour être plus pratique, euh, par exemple, je me souviens de certains cours, encore une fois, Michel Chion, sur le son au cinéma. Moi, je, je ne peux pas faire euh, une image euh, sans penser au son qui est euh, associé à cette image-là. C'est grâce à ce prof que j'ai eu. Euh, à Sensier, euh, toute la mise en scène du son, parce que c'est lui qui m'a enseigné ce que fait Jacques Tati, ce que fait Godard, ce que fait David Lynch, ce que, de, de voir comment, euh, comment envisager, parce que ensuite, le, disons, le, tout, tout le monde du d'Olby est arrivé dans le cinéma, le, le 5 plus 1, euh, qui a, à mon avis, révolutionné la, le rapport du son et de l'image dans le cinéma. J'ai pu avoir une pensée là-dessus parce que j'avais suivi ce cours-là. Euh, que Quand on a décortiqué les films de Tati avec Michel Chion, euh, Tati c'est vraiment quelqu'un qui est un, pour moi un des précurseurs de la, de la mise en scène du son parce que... Il parle beaucoup de l'opposition du son et de l'image avec des sons qui conviennent pas avec les images. Comment euh, Qu'est-ce qui se passe quand on post-synchronise un son Quand il y a un son qui est, qui est euh, pris en prise directe euh, Qu'est-ce qui se passe quand on enlève tous les sons Qu'est-ce qui se passe quand les gens parlent pas distinctement Enfin, il y, y a plein d'interrogations qui sont extrêmement enrichissantes quand on regarde un film de Jacques Tati. Donc, ça, c'est un truc très pratique. Euh, euh, moi, avant, les, avant un tournage ou avant certaines scènes, je discutais avec l'ingénieur du son et la discussion elle est enrichie par les choses que j'ai apprises à la fac. Euh, de la même façon, euh, j'ai eu un, un cours sur le film noir américain euh, des années 40 avec Marc Vernet. Euh, lui, il a une formation qui est plus psychanalytique. Du coup, euh, moi, quand j'écris un scénario sur la notion de personnage, euh, quand il y a euh, voilà des figures psychanalytiques avec euh, des des, euh, des gens autoritaires ou des conflits entre personnes et que y a euh, euh, j'ai l'impression que je réfléchis mieux la dramaturgie parce que j'ai étudié ce courant euh, euh, les les films américains de cette époque là et certainement j'ai pu faire ni pour ni contre bien au contraire qui était vraiment une, une tentative de faire du film noir contemporain en relation directe avec le cours que j'ai eu pendant un an sur, sur ce sujet-là. Donc, c est, c est, quand je dis que ça nourrit euh, le métier, c'est ça. C'est que ensuite quand moi je réfléchis par exemple avec Bruno Delbonnel, le chef opérateur, à, à, à quelles images on va faire, euh, c'est en liaison directe avec les films que j'ai vus de l'époque. Euh, les Forbans de la Nuit, euh, Ultime Radia de Kubrick, avec euh, Quand la Ville d'Or de Houston, euh, les, les, les Lady from Shanghai de, de Citizen Kane, enfin tout, tout, tous les grands films, Big Sleep, euh, tout, tous les grands films noirs américains de cette époque-là. Euh, moi je sais que c'est parce que j'ai vu Quand la Ville d'Or, Ultime Radia, euh, après nourri par le cinéma plus moderne, les cinémas de Scorsese, où, parce que c'est une, une deuxième étape du, du, du film noir américain. Quand, quand Scorsese fait des affranchis ou Casino, c'est une, une étape de ça. Et que, je ne sais pas, d'autres gens, Abel Ferrara, ou, euh, ou plus récemment sur Derbert, quand, quand il fait du cinéma, c'est une référence directe à cette époque-là. Mais donc ça, c'est... Euh, quand je dis que c'est important de se référer au, au, au cinéma qui a précédé, il faut le connaître et pas seulement le connaître en l'ayant vu, il faut le connaître en ayant, oui, réfléchi dessus, lu des livres dessus, fait des dissertations, entendu des, 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 des gens qui en parlent bien. Et que ça, euh, voilà, ensuite moi, quand je mets en scène Ni pour Ni contre, bien au contraire, je, je, c'est un dialogue direct avec l'année que j'ai passée à Sancier. Quoi. Donc, euh, euh, il y a toujours un moment où ça devient très pratique. Et on a l'impression que c'est nébuleux ou que c'est très cérébral et très euh, en dehors de la réalité. Alors qu'il y, y a toujours un moment où ça devient de la réalité parce que euh, ça devient, ça devient une image qu'on construit. On se dit voilà, alors euh, aujourd'hui je ne vais pas faire le film en noir et blanc, mais je vais faire le film en couleur, mais je vais le faire en couleur d'une certaine façon parce qu'en référence à ce film-là, je vais pas pouvoir complètement le faire de la même façon. Et je pense d'ailleurs que quand Olivier Marshall fait M. 73 euh, cette année. Il a vu euh, ni pour ni contre. Il a vu aussi les autres films. Donc il y a une espèce de chaîne où entre nous réalisateurs on se, on se parle, disons, et on, il y a quelque chose qui fait qu'on est un peu liés les uns aux autres. Et ça, ça part de l'université pour moi ça. Donc euh, il, y a, il y a des trucs comme ça très précis, parce que je peux citer mille exemples. Quand on a décortiqué euh, Citizen Kane avec Michel Marie, euh, euh, moi très très clairement, il y a plein de fois où je compose des images, quand je fabrique un cadre, il y a des fois où je me réfère à des choses que j'ai apprises sur comment son noël s'y fait, et que c'est vrai que moi j'ai la conscience que quand on fait une image, euh, c'est des choses que j'ai apprises ici dans cette salle en voyant des films, parce que c'est quand même ici que j'ai vu plein de films, films de Dreyer, moi c'est vrai que les films de Dreyer euh, parle encore aujourd'hui sur le, la notion du dépouillement de l'image, de qu'est-ce qu'on met dans une image, est-ce qu'on met plein de choses et qu'on est maniériste ou est-ce qu'on essaye d'enlever tous les éléments pour essayer d'être euh, extrêmement stylisé, extrêmement euh, dénudé, euh, ça c'est des questions qui se posent film après film et, et même plan par plan quand on fabrique des images, donc euh, c'est très précis quoi, enfin je trouve que c'est qu'aujourd'hui, j'ai 46 ans, c'est que quand on a 46 ans qu'on voit à quoi sert la culture. Et que quand on est étudiant et que c'est quand même assez chiant de se taper, euh, de lire une pièce de Shakespeare que personne ne connaît, ou euh, de lire, euh, de voir des films de, trai, de Dreyer, parce qu'il faut toujours pousser les gens à dire ça serait bien que tu vois Jeanne d'Arc de Dreyer ou Hordette. Les gens disent bon, ben, ok, mais je pas envie de le voir aujourd'hui, je préfère aller voir euh, Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a un effort à faire, il y a un truc chiant et on ne dit jamais assez que voir Jeanne d'Arc, ça sert toute une vie. Quoi. Moi, je ne peux pas faire un gros plan sans penser un peu à, à ce qu'a fait Dreyer dans Jeanne d'Arc. Donc, euh, c'est ça la culture. C'est On a l'impression que c'est chiant, on a l'impression que ça ne sert à rien et on a l'impression que c'est mieux de faire un stage en entreprise, mais non. Qu'est-ce qui a été le plus dur durant vos études Bah ben ça, parce que c'est vrai qu'il y a un truc pénible. Justement, quand je dis qu'il faut s'armer de patience, je pense qu'il faut être très patient. Quand... quand on est étudiant, en plus on a 20 ans, on a quand même plus envie d'aller en boîte que... que de passer son week-end à lire Kant ou à, ou à voir Dreyer. Euh... Et c'est une drôle de période, parce que bizarrement, c'est la période où il faut faire ça. Et en même temps, il faut quand même aussi un peu aller en boîte et apprendre à danser la tectonique. Quoi. Donc, euh, euh, c'est une drôle de période. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que c'est une période où c'est bien de se permettre de dire voilà, j'ai envie de me bourrer la gueule et j'ai envie euh, de m'enrichir et de savoir que les deux sont assez liés finalement. Euh, parce que euh, c'est un peu ce que j'essaye de dire dans L'Auberge espagnole c'est que sortir avec des filles ou faire le con, c'est aussi une culture. C'est aussi. Euh, euh, je pense qu'il y a une culture de, de la connaissance de la sensualité, de la connaissance du corps. Il y a une culture de la connaissance euh, culturelle, de la connaissance euh, des idées, de lire des livres, de, de lire de la philosophie, etc. Et, euh, et ouais, je trouve qu'on le dit pas assez. Je trouve que c'est beaucoup dénigré ce moment-là et que il euh, y a un temps où euh, faut essayer des choses. Quoi. Il faut euh, euh, donc. Euh, ce qui, ce qui est difficile à cette époque-là, c'est qu'il euh, y a plein de choses à faire. Je pense qu'on a beaucoup d'énergie et je pense qu'il faut utiliser son énergie et qu'il faut faire confiance à ses désirs aussi, parce que les désirs, ce n'est pas juste les désirs euh, ou les pulsions sexuelles, c'est les, les désirs de, de se dire, voilà, je suis intéressé par euh, le surréalisme, ou je suis intéressé par euh, euh, le Brésil, ou je suis intéressé par euh, ce qui se passe en Chine, ou ce qui se passe en Afrique. Euh, il faut faire confiance au fait que euh, un truc qui paraît bizarre, euh, ben, c'est justement cette chose-là qu'il faut nourrir chez soi. Et Moi, je sais que Loïc Dury, qui fait la musique de mes films, il passait son temps à écouter des disques. Il y a ses parents qui disaient ah, Mais arrête d'écouter des disques, tu ne vas jamais avoir un métier. Et ben, il en a fait son métier il gagne beaucoup d'argent parce qu'il a écouté des disques. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui a été programmateur euh, euh, musical à Radio Nova, je crois qu'il avait 25 ans, il n'était pas vieux, mais c'est lui qui mettait les disques sur Radio Nova à cette époque-là. Ensuite, il a été DJ, ensuite, il est devenu compositeur de, de musique, enfin voilà, il fait la musique de film, et il continue à être, disons, producteur de musique. Il, euh, et c'est quelqu'un qui vit dans la musique et il est musicien parce qu'il a pris le temps d'écouter des disques et qu'il n'a pas écouté ses parents qui lui disaient, euh, euh, lis des livres au lieu d'écouter des disques. Je crois qu'il faut faire confiance quand on est étudiant à faire des choses qui vous intéressent et qui ne sont pas forcément là où il y a des débouchés, là où euh, on vous dit, oui, en fait, euh, je sais pas, la, 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 la biotechnologie, il y a plein de débouchés en, en ce moment. Euh, euh, non, si, je, je veux dire, c'est. Il faut, faut vraiment faire confiance à sa passion. Après, il faut être réaliste et il faut confronter le, le réalisme et la passion. Il y a un moment où, effectivement, il faut mettre en acte sa passion pour gagner de l'argent et pour s'en sortir dans la vie. Mais euh, il faut faire les deux, en tout cas. Quelles sont les qualités à avoir ou à développer durant les études pour réussir dans les domaines artistiques <coughs> ben, Je pense que c'est beaucoup la curiosité, donc l'observation. La sensibilité et je dirais que l'imagination ça vient après, c'est-à-dire que si on observe beaucoup, l'imagination vient d'elle-même. Et euh... alors on a, on a certainement un, une façon de, de faire ça différente en France et, et dans le monde anglo-saxon, anglo parce que justement peut-être ce que j'ai appris en allant en Amérique, mais j'ai vu que quand j'étais à Londres, c'est pas, enfin oui, il y a un vrai un vrai monde commun dans le monde anglo-saxon entre les Anglais et les Américains, ils sont beaucoup plus sur la fantaisie et sur la fabrication d'un univers, et nous on est quand même plus sur le traitement de la réalité et sur le... les rapports humains, je dirais. Ça, la littérature française elle est que là-dessus, Balzac, Flaubert, Victor Hugo, enfin avec des styles différents, Proust, Céline, c'est des gens qui pensent l'être humain, qui pensent la réalité, euh, et c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai qu'on on, on a un cinéma, que ce soit Renoir, Abel Gans, La Nouvelle Vague, euh, Marcel Carnet. Euh, on, on a toujours fait un cinéma, qui est un cinéma qui parle de la réalité beaucoup, qui est beaucoup moins un cinéma euh, fantastique et moins un cinéma imaginaire qu'aux euh, qu États-Unis, et, et qui parle plus des rapports humains, et où du coup, c'est pour ça que je parle de l'observation. Du coup, l'observation et le rapport à la réalité est plus important. Et que du coup, le rapport à la politique, le rapport à, à la sociologie, le fait d'être observateur et de la psychologie des gens pour fabriquer des personnages et de la sociologie pour avoir un discours sur le social, c'est quelque chose qui est important en France ou ailleurs. Et, alors je, je sépare ça un peu de ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est vrai, que quand on fait le cinéma de Tim Burton, ou quand on fait le cinéma, je sais pas, du, du cinéma de film genre, de, de genre, on part aussi d'une observation de la réalité, mais on est quand même plus sur la fabrication d'un univers, on est plus sur l'esthétisme. Et où là euh, l'histoire de l'art, disons, compte plus. Je pense que pour Tim Burton, les références à la peinture sont plus importantes que les références à, à la narration, euh, ou en tout cas l'observation de la réalité. Euh, et euh, donc euh, voilà, je, moi je séparais peut-être en deux ce qui nourrit un réalisateur ou un artiste suivant qu'on est du côté de l'imaginaire pur ou du côté de, du traitement de la réalité. Mais en tout cas, dans les deux cas, je pense que l'observation, parce que forcément quelqu'un comme, comme, comme Tim Burton ou comme, euh, je sais pas, Tarantino, qui fabrique des images qui sont quand même euh, très nettement euh, en dehors de la réalité, enfin le but n'est pas de ressembler à la réalité, euh, c'est des gens qui ont malgré tout un sens de l'observation super fort. Et, et donc ça je pense que cette notion de curiosité cette notion de fouiller les choses parce que Tarantino, Tarantino quand il, a, il était dans son vidéo club et qu'il épluchait les films qu'il a vu il y avait cette notion de de regarder beaucoup et à fond les choses et de ensuite en tirer des euh, voilà ce que, ce que dit Montaigne son propre miel quoi c'est qu'il a butiné et puis qu'il en, il en, en a tiré un truc à, à lui Et... Euh, je pense que. Ouais, c est, c est, moi je dirais que c'est surtout ça. Je, je, je passerai beaucoup de trucs sur l'observation et euh, l'écoute. Le fait... Enfin, tout, tous les grands scénaristes ont toujours dit je passe beaucoup de temps dans les cafés à écouter les gens. Euh, que ce soit des gens comme Prévert, des gens comme euh, Audiard, des gens comme... Enfin, euh, euh, je ne sais pas. Euh, tous, tous les gens euh, qui, qui ont un sens du, du verbe et de. gens comme, comme Guitry, gens comme Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, c'est des gens qui, qui, à mon avis, sont beaucoup sur l'écoute des autres. Euh, et le, le titre, d'ailleurs, Le goût des autres de Bacry Jaoui et le camp est éloquent là-dessus c'est qu'il y a un truc sur. Euh, il y a un goût à, à regarder, à écouter, à, à s'intéresser aux autres. Et, et je pense que ça, c'est de la nourriture de base de, des gens qui font de la création. Euh, je dirais ça, puis après, je reviendrai sur ce que j'ai dit sur, euh, sur la ténacité. Il y a quelque chose qui fait que. Euh, on a tous en commun le fait d'être sensible, parce que sinon, les choses ne s'imprimeraient pas en nous. Euh, donc il faut se laisser une ouverture, il faut, faut, faut garder un côté éponge, donc une fragilité. Mais par contre, il faut, faut préserver cette fragilité. Et donc, du coup. Il y a cette chose bizarre chez les gens qui font de la création, c'est qu'il faut se, se permettre d'être fragile, se permettre d'être éponge, et pas se faire bouffer par, euh, par le fait qu'on laisse rentrer des choses. Et que, euh, donc il faut aussi fortifier, euh, parce que après euh, sur un tournage, on est un chef d'entreprise, on dirige une équipe de 100 personnes ou plus, et qu'il y a quelque chose de, de coriace là-dedans. Il faut... On, faut aussi fabriquer de la dureté. Et en, donc il euh, euh, y a un mélange entre de la fragilité et de la force qu'il faut avoir tout au long du parcours. Donc il faut se préparer à ça. Mais euh, ça, je sais pas trop comment. <laughs> Question qui n'a aucun rapport avec tout ça. Par rapport à votre film Paris, est-ce que le rôle de Lucini est inspiré d'un professeur? De la Sorbonne ou de Paris 3 Certainement, parce qu'encore une fois, on se nourrit de la réalité. Donc moi, j'ai eu certains profs qui, qui ressemblaient à ça. C'est aussi lié à, à, à des profs que j'ai eu en, en hippocampe-cagne, ou, ou même parce que euh, finalement, euh, euh, parce que Luchini, il y est très sensible, on a parlé beaucoup de Roland Barthes, en fait. Et, et moi, j'avais été suivre euh, des cours au Collège de France de Roland Barthes. Et il y a des choses de Roland Barthes qui passent dans le personnage, euh, mais qui sont des choses professorales, parce que c'est des choses où finalement, euh, quand on dit prof à la Sorbonne, on a l'impression qu quelque chose de très docte. Alors que euh, moi et Fabrice Luchini, on savait que on peut dire bite quand on est prof à la Sorbonne et qu'on peut dire euh, peu mal parler et que ça n'empêche pas d'avoir une pensée intellectuelle un peu euh, un peu sophistiquée. Et donc du coup, c'est on essayait de construire le personnage sur ça, sur le fait que euh, euh, surtout, disons, la, la, pour moi, le, le personnage de l'intellectuel parisien, c'est quelqu'un qui a toujours une, une sorte de pensée qui est dans la vie, qui n'est pas juste dans les livres. Et qui. Euh, ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai vues et à et, euh, et en Cagne, ou en voyant des, intellectu des intellectuels ou des gens qui parlent de, de philosophie. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est moins nébuleux que. Le, que le portrait qu'on fait d'habitude en disant bon c'est des gens euh, BCBG euh, coincés et, et complètement dans la pensée donc euh, voilà c'est avec Fabrice Luchini on essayait de nourrir ce cet aspect-là du personnage donc euh, ouais il y a des choses qui sont liées en tout cas ouais. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non je pense qu'on a parlé de pas mal de choses non moi, juste ça me fait drôle encore une fois d'être ici dans cette salle parce que euh, quand je dis que j'ai c'est l'année euh, où j'ai vu le plus de films, c'est dans cette salle que j'ai vu le... beaucoup de films, parce qu'il y avait un ciné-club qui passait deux films par jour à l'époque. Je ne sais pas si ça continue pareil. Oui, ça continue. Mais moi, j'y allais pratiquement cinq jours par semaine, voir les fameux deux films par jour. J'en voyais au moins un. Et que ça. Je... Enfin, c'est dingue ce que j'ai appris en... en étant assidu en faisant ça. Et je pense que tous les gens de la nouvelle vague ont toujours dit que c'était des rats de cinémathèque. Que, euh, que ce soit les, les gens comme Truffaut, ou, euh, Romer, Chabrol, euh, Godard. Enfin euh, euh, voilà, je, je pense qu'il faut faire confiance au fait que euh, quand on est étudiant, il ouais, y a du temps à passer à, à voir le travail des autres et que euh, voilà, donc, je trouve ça juste drôle d'être euh, assis au même endroit 25 ans plus tard. Au même endroit Bah ben ouais, c'était ici, ouais. D'accord, même... Même, même, euh, même chaise. <laughs> Certainement. Merci beaucoup pour cette interview. Bah de rien, merci à vous.